Welcome back dans notre salon. Bonsoir à tous. Encore une fois, merci pour Van Comens qui l'ont gagné pour Nick William et Nicolius, les tisanes qui étaient là la semaine dernière. Et nous sommes bien contents qu'ils aient donné beaucoup de soutien, mes camarades. Et toujours, pas oublier, like, comment, subscribe, share, partage ma vidéo là au maximum. Pas partage pour Nick William et Nicolius, pour un 10 mounes qui viennent avant, c'est-à-dire Jayan, Clarez ou Connex, ça n'a pas ou page YouTube. Donc, dis-le, nos petits camarades. Non, camarades, j'ai dit ça. Qui veut son frère? Mais il est présenté, non? Comment est-ce qu'il est présenté? Qui est son frère? Présente-toi. Correct, correct. Bon, hello tout le monde. Ben moi, Emmanuel Savana, 30 ans, 31 bientôt. Et DJ depuis routine, 15 ans. 30 ans, routine ça. Mais encore bien en forme. Et voilà, DJ depuis 15 ans, cette année-ci. Et il a encore pour aller. Il a beaucoup pour aller, mon frère. Ouais, il a beaucoup pour aller. Emmanuel, tu es DJ, comment te dire? Partage-nous ton univers musical, comment tu as commencé, qui t'a fait, qui t'a pas fait. Nous faisons les tout dans les passés, nous faisons un coup qui n'a pas. Bien, commencé dans la famille, tu es toujours musicien. Et qu'après, on commence à trouver un DJ qui me fréquente un peu, la case, côté moi, dont Giovanni Paul, Bernard Desmarais, Paul Panic. Et toujours, on me dit, un jour, on n'a pas envie d'essayer finalement. On m'a essayé, moi, j'ai 16 ans environ. Et je me trouvais une première platine. Je me dis un camarade qui s'appelle Bertrand, qui me mentor. Il m'a montré moi la base. Et il m'a montré moi. Et tout de suite après, les 7 ans après, il m'a fait mixer dans sa soirée qui nous était là. Et ça commence comme ça. Et après, en 2004, c'était la DJ Academy. Avec Clarel qui nous passait la dernière fois. Toujours Radio One, ça, non? Toujours, oui, organisé par Radio One. Ah, ok. Et il y a plusieurs participants, nous tous nous joignons, c'est un bon groupe. Jusqu'à la finale, quand on donne le meilleur et finalement on gagne la DJ Academy en 2004. Ah, c'était toi qui gagnant? Oui. Ah, ok. Mais c'est aillé ça, c'est aillé, ouais. Et de là, vraiment, un parcours professionnel et sérieux, j'ai commencé. Donc, on commence quand même au premier contrat discothèque, c'était au Fresh, à Grande Rivière. Continue à Vibe longtemps. Ah, ok, avant, ok, Vibe. Oui, oui, Fresh, ouais. Et Fresh Club, qui était dirigé par Jason Ganesh, tout le monde connaît. Salut Jason. Ouais. Et ensuite, ben, on a shifté de boîte à boîte dans le saxo. Takamaka, Zanzibar. Saxo, moi, arrête-toi, saxo, saxo. Ça, beaucoup une référence de discothèque. C'est qui va une résidence saxo, on pense qu'on rate beaucoup dans Clubbing Maurice pour penser. C'est qui va le connaît, regretter, comment dire. Raconte ça, saxo, la quantité, frère. Moi, à l'époque, moi, j'étais une club, à l'époque, là, où tu as compris à prendre la musique. On rappelle tout le temps, moi, tu faisais ça Henri. J'ai ça Henri la dernière fois que tu dis. Aussi dans le coin, c'était un coin tout le temps. Mais raconte ça, sa expérience. Aussi, bon, c'est Saxo, c'était une référence au niveau club Big Maurice. Sûr, comment me disais, Fresh, tu me premier club. Mais vraiment, comme on connaît l'expérience résidence, ça a commencé au Saxo. Déjà parce que tu as des professionnels, Henri, Fabrice. Bon, Michael, c'est là avant moi, mais là, mon rentrée après Michael. Mais une expérience, c'est que comment arrive 10h, discothèque là, c'est full, mais déjà à l'entrée. Ouais, je me rappelle, me claquer. 10h, top, Dimon, tu finis connaître Saxo pour plein temps, tu vois. Ouais, Saxo là, je me rappelle, ouf, je prends un bis, mon chal là-bas. Avec ça fait, tu ne pas tout ça, on va gagner ce gros jour. Et c'est un des mains de première discothèque qui innove le projet d'avoir deux pistes de danse aussi. Donc tu as le Saxo, le main, et puis tu as le Subway derrière. Ouais, dans le coin là-haut, ouais. Tu as ouais. Le Subway, donc une fois, nous, tu peux faire soit la même musique, soit deux différents types de musique. Mm-hmm. Mais
de 10h, tant que pas arrive 6h du matin, du moment là, vous continuez danser, oui, danser. Oui, oui, oui. Tu arrives à des fois, discothèque, tu fermes 9h, 10h, sous le fameux beach party, saxo. Tiens, bon, pour moi, la meilleure boîte pour laquelle mon vivre. C'est fait un monument, vous dites, moi, dire. Ouais. Saxo, ouais. Enfin. Et puis, quand tu enchaînes dans les autres discothèques? Tu es à G22 à Rivière Noire. Ok. Et ensuite, les Enfants Terribles, God Forever, Zanzibar, Takamaka, Insomnia. Et c'est à partir d'Insomnia qui me met un terme à mon carrière résident. Surtout pour me regagner la vie sociale, parce que c'était après 11 ans qu'il me fait faire donc tous les week-ends, non-stop. Il va facile, je suis résident, il va facile. Et surtout avec mon, comment dire, mon déti Bambi, ma tia c'est Isabelle, donc je commence grandi, donc moi je fais envie de la vie sociale. Aussi, ils vont dire que DJ, c'est pas juste pour moi, il n'est pas juste amuser, il y a un travail, mais il nous inquiète aussi la vie sociale derrière. Ouais, il a beaucoup de responsabilités derrière ça. Aussi. C'est samedi soir de quitte famille, je peux aller vendredi soir. Vendredi, samedi, la fois, moi, tu peux faire lundi, mercredi, vendredi, samedi. Ouais, c'est tout comme un période de fête, tout ça là, voilà. Tu peux faire travail, ta famille, la famille. Famille, quand je viens de toi, 10, 15, 30 minutes, après, tu as un bail, avant, c'est un pétard, moi, j'ai besoin d'aller. Il y a des avantages, mon DJ. Vous avez bien connu. Donc, j'ai envie d'avantir ça, j'ai envie d'avantir ça là-dedans, fini, on va dire, oublier, ben, la famille, un peu, parce que c'est difficile. Ben, en tant que DJ, oui, ou bien content, qui m'envoie toi dans la scène qui te fait jouer beaucoup de soirées aussi. Je pense que c'est une occasion de jouer beaucoup de soirées, surtout outdoor. Mais tu as raconté un peu sur un moment que tu as passé. Et qui va nous dire ceci qui t'a passé? Parce que je pense que tu as beaucoup d'occasion que toi et beaucoup. Hein. Oui, c'est pour ça aussi qu'il m'a arrêté de faire résident, c'est parce que moi j'ai pas envie de mettre un step forward et touche un peu plus tout le monde sur l'île. Déjà, juste en parenthèse, en 2007, moi j'ai eu l'occasion en Angleterre, à Tottenham, pour jouer là-bas le 31 décembre. Et moi j'ai pas envie de regagner sa petite touche outdoor là. Et moi je commence à jouer pour une soirée, à Fikon Flak, au stade Anjalé. Surtout pour le social buzz, pour Purple, pour Urban Buzz. Donc, j'ai eu l'occasion de jouer avec Funk D, là tout récemment avec Grégory Klossmann, Grégo Salto, et encore d'autres artistes. C'est un showtech, vous pensez. C'est un showtech aussi, de tous les deux, nous faire le premier showtech. Et ça tient notre expérience encore, une grosse soirée, un grand dimanche. Dimanche, tu m'arrives Tu m'arrives aussi. Ouais. Donc voilà, bon, moi dans la tête, si je me bien calculer là, nous pourrions cela. Mais moi, j'ai eu l'occasion de jouer avec des autres artistes internationaux. Et j'ai juste envie de dire merci à Dimon qui nous fait moi jouer à la rencontre maintenant. Et moi j'espérais pour une encore et on va jouer encore dans l'ON stage nous aussi. J'espérais. Et tout le temps, enfin, toi tu nous as beaucoup d'artistes. Dis-moi un artiste qui touche toi, qui nous a ouais, qui nous fait toi sentir la vibe. Ouais, un des bons artistes qui vraiment fait le show devant moi, c'était Funk D. Et ah oui, il y a une malade ce moment. Toujours. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui à Insomnia, comme aussi résident. Après, moi, je rejoins Orly à Oasis Complex, au shot à Fikon Flak. Mais c'est quelqu'un qui vraiment est dans la vibe. Il n'est pas pour hésiter, pour communiquer avec son public. Et médifié, comme on va nous dire. Il est bien présent là, ce... Bien présent, ouais. Il n'y a pas un Dimon qui peut venir parce qu'il y a un artiste international. Ouais, moi, je mixé, moi, meilleur, je dis bout derrière, platine, je mixé pour eux, au revoir, Maurice, et c'est tout. Il interagit avec son public, même avant ou après ce show, il vient, il rentre au public, il causait. Donc, pour moi, c'est un des meilleurs exemples parmi tant d'autres. Bon, enfin, tu veux faire des verres de piste auto. L'année 2016, Emmanuel Savonne, quel est ton projet qui est là actuellement? Qui dépend ce que tu fais après?
Et un projet par rapport à mes 15 ans encore hier. Bon, pour annoncer une affaire bientôt. Donc, juste li, moi, vous dire qu'il est par rapport à mes 15 ans encore hier. Ah, vous pouvez dire plus qu'il y a. Ok. Mais, moi, pour. Pas l'ONIL, ça. Avant de soirée là, moi, finalement, pour bien commencer à l'ONIL. Parce qu'il y a une affaire qui fait bloquer nous aussi. Et, mais bon, c'est une autre, c'est une autre histoire. Ouais. Et. Bon, mon père commence aussi sur la production. Il y a une own production qui m'a joué dans ma soirée. Qui m'a joué, bon, qui m'a release, qui m'a mis sur internet, sur SoundCloud. Mais pour moi, moi, je peux apprendre. Moi, je peux roadband tips, le band vidéo, et bandit qui me connaît. Non, est-ce qu'il y a de la musique gratuite sur SoundCloud? Oui, oui, je peux écouter le SoundCloud. Non, SoundCloud. Je peux écouter le free. SoundCloud, c'est Emmanuel Savannah. Emmanuel Savannah. Ok. Et il y a aussi un remix qui me fait de mon pop sound, de mon house même, qui me réfère à mon goût. Ah, il a fait des doux, je. Ouais, je vais l'écouter et prochainement il y a un grand classic house qui s'appelle The Bomb. Je vais release dans deux semaines. C'est un remix, je vais écouter, je vais mettre available download aussi. C'est un free media just for promotion. Et moi, comment me dire, je vais besoin apprendre encore. Et là, je vais présenter tout le monde projet qui m'est là en tant que producteur aussi. Ah oui, super. Hein? Ben, te dire, moi, 15 ans de coyer, 15 ans de riche coyer, quand tu es résident sur une fête, quand tu es soirée avec une jeu, ben, pour les gens qui viennent, vous êtes derrière nous, qui conseille de faire une jeu, qui m'a fait, qui vous a fait, j'ai envie de continuer à briller là-dedans. Déjà, pour donner un plus grand conseil, c'est les petits aînés 15, 16, 17 ans qui ont envie de commencer. Je commence en une passion, mais finis le ban l'étude avant. Et là, je commence le travail en tant que DJ. Voici, moi, mon connu, moi, j'ai 15 ans, 16 ans, j'ai commencé. Ça m'a affecté un peu mes études, mais je ne vais pas arrêter là, quand même. Mais c'est un conseil, finis le ban l'étude. Là, je commence à faire lui comme un job. Même. Ouais, parce que, je vous ai mis en parenthèse, la musique, c'est pas passion. Hein. Avant tout, c'est pas passion, mais lui aussi prend beaucoup les temps si vraiment tu as envie de mettre une série avec lui. C'est pas une recherche, la musique. Tu as fait une recherche musicale par rapport à tout genre de musique qui t'a touché. Tu as fait tout le temps une bande dernière nouveauté. À lire un blog, à get une vidéo, connaître les autres techniques, ban l'équipement. Donc, il prend tous les temps. Donc, si tu as envie de commencer, c'est Roden les temps que tu sais, tu peux faire ça. Et prends tous les temps pour la musique, en fait. Ben super Manu, mais ils sont bien contents de venir faire dans notre salon. Merci pour cette invitation à toute l'équipe aussi. Mais Zodi, qui te présente nous Zodi comme musique là hein? Zodi, moi je décide de faire un set assez tech house, comme on dit, techie, pour sortir un peu dans ce qui m'a amené à présenter le One Dance Floor, que m'a amené à jouer électro, commercial, R&B. Mais là, mon envie, je m'a dit, touche un peu plus à deep house, tech house. Et il y a un peu comme un mixtape qui m'a mis mettre online aussi, donc il est très varié dans le style pour montrer qu'il pénalise le style, nous DJ, nous. Pour moi, je suis généraliste, donc je joue tout style aussi. C'est okay. Super, super. Mais moi, je souhaite passer un bon petit détail dans le salon, mon frère. Merci, on va faire libre. Amis, histoire. Emmanuel Savannah, vous passez. On espère que vous like cette vidéo, vous share cette vidéo, vous commentez cette vidéo et aussi subscribe à nos chaînes. Nous restons ça dans toute vidéo parce que nous avons envie de faire la vie différente. In the Salon Project, salam. I'd like to know why there was this violent change. I don't think there's any answer to it. Most likely in another 25, maybe 50 years, some youngster will come along and take this down and really do something with it, you know?
get deep, I get deep, I get deeper into this thing. The deeper I go, the more knowledge I know what to sing, what to bring. What? I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper, deeper, deeper into the vibe. What? That say they know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? What? I get deep, I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper into this thing, and I pretend that they're not there. I just stare up in the booth at the dread man spinning the song, spinning it strong, playing things like, when can our house begin? That's my shit. What? Woo! I get deep, I get deep, I get deeper, I get deeper when people start to disappear. And it's about 6 o'clock. Ooh, I'm feeling hot. Take off my sweater and my pants, and I start to dance, and all the sweat just goes down my face. And I pretend that there's nobody there but me in this place. I get deep, yo, I get deep. What? Woo! I get deep, I get deep, I get deep, I get deep when he takes all the bass out the song and all you hear is cries and it's like, oh, shit. I get deep. I get deep, I get deep, I get deep, I get deep and the rhythm flows through my blood like alcohol and I get drunk and I'm falling all over the place. But I catch myself right on time, right on line with the beat and it's so sweet, sweet, sweet. Was air, then Dr. Love would be my song, and I would only take deep breaths and fill my lungs with the rhythm, with the bass. I get deep, I get deep. As if Jesus was a DJ himself, spinning those funky, funky, funky house beats. And in this temple, we all pray in unity for the same things. Rhythmatic pause without pause, bass from those high definition speakers, sitting in the corner on each side of the room, giving us the boom, boom, boom to our zoom, zoom, zoom. The smell of an L hit while walking by, but the music gets me high. Sanctified like an old lady in church, we get happy. Speak to me, speak to me, speak to me. Because we love house music. And on this night, it brings us together like a family reunion every week. We eat, we drink, we laugh, we play, we stink. So for all you hip-hoppers, you doo-woppers, name-droppers, you pill-poppers, come into our house to get deep. What? To get deep. I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper into this thing. The deeper I go, the more knowledge I know what to sing, what to bring. What? I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper, deeper, deeper into the vibe. What? Chilling in the corner at the shelter all by myself, checking it out, I'm not dancing no more, but why? 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 Oh. What?
destination. That is house. I will take you to the mountaintop, and there the whole world will see the glorious light of this nation. That is house. You see, people, house is more than a nation. House is a feeling. House is a sanctuary. House is a release. House will pick you up when you feel down. House will make you strong when you feel weak. House will fill you up when you feel up. He said, if you vote for me, I can make the sun rise, take a little bit longer. I can make the dance
Pas grave, arrivé ça. Ça va nous envoyer du messier, oui, dans un tatémos, dis moi la crise, hein. Ça va être un 4 decks devant moi. Ouais, tout le monde connaît le tracteur. La deck Briani, non? Non, Briani, là, nous sommes finiment, on sait. Ça va être 4 decks tracteur, ça. Ouais, c'est moi, c'est là, ça va être 4 decks tracteur. Ça va être un connecté, ça, tu peux jouer. Midi. Aïe, là, parce qu'il nous met tout. Pourquoi vous avez aussi trouvé qui te peut servir ça comme des filles, mais nous avons fait, te peut servir en déo, qui. Ça, les qui est là, pas te faire. T'es bien fatigué des autres, hein. Si on a une complainte. Ça va, Marie, c'est Manu. Merci de venir. Toujours un petit dernier mot avant d'aller. Ben, merci pour votre invitation. Et il y a un mari bon projet encore une fois. M'espérer, me sier aussi pour monter. Et ben, big up. Merci. Comme d'habitude, il vous reste à dire, pas oublier like, share, comment, subscribe. Ina Saloon, Emmanuel Savannah, Jason Max.